Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Je leur ai donné à tes disciples les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçus, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Alléluia. Je vous parle. On l'a évoqué tout à l'heure, vous vous rappelez, ce week-end à Derval que nous avons vécu au mois de février pour préparer cette célébration de votre profession de foi. Je me souviens qu'au départ, il y en avait quelques-uns sur les 35 qui composaient le groupe, il y en avait qui avaient en eux une petite inquiétude, parce qu'ils ne connaissaient personne du groupe. Personne. Et le week-end s'est révélé un temps extra, un temps super de connaissances mutuelles entre nous. Une belle expérience, mais avec ces deux côtés, un côté de découverte formidable, et puis un autre côté plus difficile et plus exigeant. Parce que pour faire la connaissance de quelqu'un, il faut aller au-devant de lui. Et c'est un peu se jeter à l'eau. Et parfois c'est difficile de se dévoiler aux yeux des autres. En tout cas, garçons et filles, sachez que faire la connaissance de quelqu'un, c'est toujours une aventure. Ça s'apprend et ce n'est jamais fini. Jamais. Vous savez pourquoi je vous parle ce matin de cette importance de faire connaissance? C'est parce que dans l'évangile qu'on vient d'entendre, cet évangile nous annonce une promesse extraordinaire. Celle-ci, si tu veux connaître le bonheur total, le bonheur absolu, alors apprends à faire connaissance avec quelqu'un de particulier qui s'appelle Jésus. L'évangile ne dit pas le bonheur absolu, il dit un autre mot, mais qui a la même signification. Il dit la vie éternelle, c'est de te connaître, le bonheur absolu. Je vous souhaite ce bonheur-là. Connaître
connaître quelqu'un. Quand, au début de l'année scolaire, vos professeurs peut-être vous font passer une fiche d'identité que vous remplissez, lorsqu'ils la lisent, ils ne vont pas me dire « je connais mes élèves ». Je ne les croirai pas. Connaître quelqu'un, ce n'est pas savoir sa fiche d'identité. C'est bien plus. C'est quoi ? C'est découvrir ses centres d'intérêt, ses passions, peut-être même plus, y vibrer, y participer. Est-ce que vous connaissez les centres d'intérêt de Jésus ? Est-ce que vous connaissez ses passions ? Connaître quelqu'un, c'est ça. Vous tous, vous participez à des groupes où vous apprenez un peu à connaître Jésus. On vient d'entendre le récit que vous connaissez bien puisque nous l'avons vu à Derval, le récit d'un homme qui était aveugle, qui ne savait pas qui était Jésus, qui ne l'avait naturellement jamais rencontré, qui va faire sa découverte, et je vous propose, pour connaître Jésus, de suivre cet homme-là. Cet homme, cet aveugle, a fait la découverte de Jésus en osant faire deux choses. La première, il a pris au sérieux une parole de cet homme Jésus, qui lui a dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Pourquoi y est-il allé ? Pourquoi a-t-il traversé Jérusalem pour aller à cette piscine, se mettre de l'eau sur les yeux ? Pourquoi, dites-moi, il ne le connaissait pas ? Une confiance. Il a osé. Je risque. Il a retrouvé la vue. Prendre au sérieux une parole de Jésus. Et la deuxième chose, c'est que les ennuis vont commencer pour lui une fois qu'il va voir clair. Parce que les gens vont venir lui dire, mais tu vois ? Comment se fait-il que tu vois ? Qui t'a rendu la vue ? Que dis-tu de lui ? Et voilà le pauvre garçon acculé, et puis qui peu à peu va prendre de l'assurance. Vous voyez ce qu'il leur dit ? D'abord, il leur dit, ben, c'est un homme qui m'a dit, va te laver. Et puis parce qu'on va venir à la charge, après il va dire, ben, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est un prophète. Et puis sous les questions de l'entourage, il va dire à la fin, pour moi, il vient de Dieu. Vous voyez comment cet homme découvre le Christ ? Il n'a jamais été au cathé. Il n'a jamais fait partie d'équipe d'aumônerie, cet homme. Il a découvert Jésus parce que, premièrement, il a pris au sérieux une parole. Il l'a pris pour lui. Il l'a mis en application. Et puis, deuxièmement, il a accepté de répondre aux questions de ceux qui étaient autour de lui. Vous commencez à grandir. Vous commencez à grandir. Je sais que certains qui viennent à l'aumônerie reçoivent des questions des gens de leur collège. Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Parfois c'est difficile, mais heureux êtes-vous de recevoir ces questions parce que vous êtes poussés à inventer votre réponse à vous. C'est bien d'avoir des questions comme ça. Ça muscle votre foi. Vous avez besoin de muscler, pas seulement vos corps, mais aussi votre foi en Jésus. Musclez votre foi. Vous avez une chance. Quand je regarde cette assemblée, je souhaite vraiment que vous découvriez ce Jésus-là.
c'est jamais fini. Vous avez de la chance parce que tous ces chrétiens-là, dont beaucoup ne vous connaissent pas, puis vos familles, vos parrains, marraines, sont là derrière vous comme pour vous soutenir. Je remercie plusieurs d'entre vous qui ont répondu à mon appel dimanche. Je leur demande, je vous ai demandé, est-ce que vous voulez mettre un mot d'encouragement pour les garçons et filles qui font leur profession de foi? Nous avons été inondés de réponses. Vous allez les recevoir tout à l'heure. Vous allez les lire. Chacun n'a pas la même réponse. Merci. C'est notre manière à nous de participer, de soutenir ces jeunes que nous ne connaissons pas, pour beaucoup. Vous avez de la chance d'être dans une communauté. Cette communauté s'appelle l'Église. L'Église de Jésus. Et chaque semaine, nous nous rassemblons pour muscler notre foi en Jésus. Je disais tout à l'heure que connaître quelqu'un, c'est un peu se jeter à l'eau. Le baptême, c'est être plongé, pas seulement dans l'eau, mais dans un amour dont on n'a pas idée. Dans un instant maintenant, juste avant de dire votre profession de foi avec toute l'assemblée, vous allez venir plonger la main dans l'eau avec à votre main le cierge de votre baptême, le cierge pascal, votre guide, notre lumière.